Oh. Hey, ça va être une grosse journée. Mon truc est pogné dans la glace, fait que je suis obligé de faire ma run à pied. On rit bien, là, mais à un moment donné, m'a tout sacré ça, là. On m'a vendu ça, monsieur glace. J't'écœuré, je suis brûlé. Alors, c'est le temps de penser au prochain. Allons, je t'aiguise. Ben, Colin, ils sont en train de démolir le pro gym. C'est une grosse institution qu'on est en train de laisser derrière. Eh mais ça, elle est là, moi. C'était bien plein d'armoires à glace. Ah ben c'est sûr, ces temps-ci, j'étais en pleine expansion, tu sais. Là, tu me parles d'un Walmart, toutes les couches-corps, les IGA, Canadian Tire. C'est tous des clients que j'ai pas, ça. Hey, j'ai pas oublié de te dire, mon chum, je t'ai amené des échantillons. Ben, tu y goûtes pas? Parce que j'ai une gomme. Oh, toi! Ah, une gomme! Glaçons de qualité supérieure. Oh, tout, excusez-moi, monsieur, c'est quoi, Chris? Ça venait ton eau des îles Fidji? Coco! Hey, faut pas parler trop fort parce que là, je suis dans un sous-sol d'église. Parce que monsieur Glace, il livre partout, même des églises. Oh, il est après prier, lui, là. Mon père! Ah, oui, mon fils? Excusez-moi de vous déranger, je veux juste dire, la livraison de glace est faite, la sacristie est bien pleine, il y en a dans le tabarnak, puis j'ai laissé un seau de glace pour votre vin de messe. Ah, merci, mon fils, le Seigneur te le rendra. Ça, c'est du service, hein? Juste avant de vous laisser, vous ressemblez pas mal au gars du dépanneur, je trouve. Ah, vous savez, le bon Dieu est partout. Bonjour, c'est Monsieur Glace, à l'église.